avoir été sélectionné pour le projet Poésie sur les toits, ça me remplit de fierté, de gratitude. Juste de penser que mes mots vont apparaître sur un des toits de Québec en LED géante, lumineuse, qu'on va pouvoir les voir se détacher dans le ciel nocturne. Pour ce projet-là, il fallait faire un fragment très court, donc 30 caractères ou moins. Je voulais que ce soit rassembleur, que ce soit inclusif, donc je voulais écrire au « nous ». Je voulais aussi que ça soit optimiste pour le futur, que ce soit plein d'espoir, donc j'ai écrit au temps futur. Donc dire oui, peut-être on va être rouillé, peut-être on a des craintes en nous par rapport au retour vers la normale, mais les choses vont bien se passer, on va se réaffirmer nous-mêmes en se retrouvant les uns les autres.